Ils ont des tonneaux ronds, vive les Bretons, ils ont des super chefs cuisiniers, vive la Bretagne. 24 minutes chrono, spécial Jean-Marie Bodic aujourd'hui. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Laurent. Ravi de te recevoir. Merci. Le chef du Youpala Bistrot à Saint-Brieuc, c'est lui. C'est moi. Tu adores la Bretagne, tu adores les produits de ta région. Tout à on fait. Va en parler. Hein. C'est on va, gentil. On va parler beaucoup de cette région qui est une belle région qui nous fournit en très bons produits. On a tout, comme dit l'autre. On a tout, on a tout. On a autant des beaux légumes que du beau poisson, des coquillages extraordinaires, la viande. Enfin, on a tout, on peut tout, on fournit tout le monde. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui en 24 minutes chrono? Aujourd'hui, topinambour. Ah, c'est bien ça. Saint-Jacques de la Baie, ouais. Foie gras, le thé l'absinthe souchong, ouais. D'accord. Le cacha, c'est bien. Ok, le sirop d'érable. On va voyager un petit peu avec des produits de chez moi. Et beaucoup de saveurs un petit peu inattendues, vous allez voir. Hein. On va faire rencontrer le topinambour et la Saint-Jacques. Ça, c'est pour le velouté qu'on va faire en entrée. Tout à fait. Et en plat. Et après, on part sur un turbo, une choucroute avec de la betterave. Voilà, on mélange l'Est et l'Ouest. L'Alsace qui rencontre la Bretagne. Tout à fait, j'aime beaucoup ça. Donc velouté de topinambour, noix de Saint-Jacques et foie gras. Ensuite, un joli turbo poché dans du beurre avec de la choucroute au jus de betterave. Ça va être très étonnant, tout ça. Donc c'est 24 minutes chrono, tu connais l'émission, on est en temps réel. En temps réel, donc t'es on ici y va. Chez toi. Donc on est parti, on commence par quoi? On va commencer par chauffer le four. Hein. On préchauffe le four à 150 pour faire torréfier le cacha. Et t'auras besoin d'eau, je crois, aussi. Et j'aurai besoin d'eau. Donc voilà, on fait tout en temps réel, même le remplissage des casseroles, t'as vu. Ça, c'est magnifique. De l'eau pour blanchir les... Pour blanchir les choux de Bruxelles qu'on va effeuiller tout à l'heure. Là, on va se mettre à éplucher les topinambours. Il y a un petit peu de boulot, alors. Oui, il y a un petit peu de boulot, mais ça va se faire gentiment. Donc, je commence pour éplucher les topinambours. J'adore ça, moi, le topinambour. Toi aussi, je suis pour... C'est un produit que j'aime beaucoup. Alors, il y a son cousin... qui s'appelle les liantilles aussi, qu'on trouve sur les marchés chez moi, sur les marchés locaux, qui est un peu moins fort que le topinambour, mais c'est un produit que j'aime beaucoup aussi. Parce que ça fait partie de la famille des tournesols, hein, le topinambour, en fait. Hein, c'est la racine d'un tournesol, d'une variété de tournesol. Alors, on l'aime pour son petit goût d'artichaut, le topinambour. Voilà. C'est un produit que j'aime travailler parce que ça, on les refait découvrir. On les a un petit peu oubliés pendant un moment parce qu'on en a été un petit peu rassasiés. Puis maintenant, on se remet à travailler ces produits. Et je trouve que c'est important de les mettre au goût du jour. Et en velouté, c'est joli, cette idée d'associer le topinambour, qui est un légume bon marché, rustique, avec deux produits nobles, comme le foie gras et la Saint-Jacques. Tout à fait. Ça fait un équilibre dans le budget, et je trouve que c'est assez intéressant à faire. Là, je vais mettre le lait infusé. Très bien. Faites, chef. Faites comme chez vous. Merci. Hein, Jean-Marie Bodic, un Breton, le Youpala Bistrot, c'est lui. Il va nous raconter son parcours, sa vie, parce que tu es originaire de Bretagne, mais tu es passé par de grandes maisons parisiennes, notamment celle de Pierre Gagnaire. Notamment celle de Pierre Gagnaire, qui est un personnage hors du commun, je dirais. Hors norme, un grand chef, comme on les aime, quoi. Un grand chef, un grand cœur. Généreux. Au niveau de la cuisine. Est-ce que c'est possible de cuisiner sans générosité? De bien cuisiner sans générosité? Non, il faut avoir envie de donner pour faire la cuisine. Si tu n'as pas envie de donner, tu restes chez toi. Voilà, vous avez compris le message. Donc restez avec nous en tout cas, parce que nous, on va vous donner avec Jean-Marie Bodic de belles idées de recettes pour cuisiner en 24 minutes chrono. Voilà. Velouté de topinambour. Alors là, tu fais infuser ce thé noir chinois fumé. Tout à fait. J'aime beaucoup ce goût fumé. Le lait est très sympa parce qu'en fait, le lait, il capte bien les goûts. Alors, je ne vais pas le laisser infuser pendant 2 heures, hein, c'est un thé. D'accord, je l'ai mis des parts au froid. Une fois qu'il va frémir, je vais le passer, on met les topinambours, on met à cuire. Et voilà, c'est simple ça. Donc, ça va nous permettre de cuire le topinambour. Très, très simple. Donc, là, en attendant, si tu veux, tu peux me les rincer. Voilà, bien. Voilà, je vais les couper et je vais mettre le cacha dans le four. Alors, le cacha, on va vous en parler parce qu'il est venu avec ses produits. Mais ce sont des produits qu'on trouve partout. Le cacha, ce sont des graines de sarrasin. Grillé. Tout à fait. C'est également le nom d'une recette des Pays de l'Est, le cacha, avec c'est des petites graines de sarrasin avec une bouillie, mais avec de l'eau, quoi. Voilà, dans les Pays de l'Est, on utilise beaucoup le cacha, en fait. Et moi, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps. C'est Juliette, ma femme, qui m'a fait découvrir ça. Ah oui, alors, parle-nous de ta femme, parce que ta femme, elle a un vrai rôle dans ta cuisine. Hein. Ah oui. Et elle aime la cuisine végétarienne, déjà. Elle aime le végétal. Elle m'a fait découvrir le végétal. Juliette, elle sait aussi cuisiner. Elle est pâtissière. Voilà. Donc, c'est important pour elle. C'est notre carburant, quand même, hein, ce qu'on se fait à manger. Donc, il faut que ce soit bon, sain, équilibré. Voilà. Si moi, je le mange pas, pourquoi je vais le faire manger aux gens?
Voilà, faut que ça te plaise d'abord. Faut que moi, j'ai envie de le manger pour le faire. Le four de monsieur est avancé. Voilà, ça c'est fait. C'est gentil. Donc, notre cacha, ce sera pour quoi le cacha? On va s'en servir. Le cacha, en fait, ça sera pour mettre sur le velouté de topi. À un la petit fin, peu, petit peu de croquant. Qui va emmener le croquant. Ouais. Alors ça, c'est un retour de Canada. On est tombé amoureux du sirop d'érable avec Juliette. Les cabanes à sucre du Canada. Ouais, on s'est amusé ça, vachement. Ça, c'est sublime, ça. Et on a gardé, comme ça, des petites notes de sirop d'érable. Je trouve que c'est sympa. Alors qu'on va sortir le cacha, qu'on va caraméliser avec le sirop d'érable. Deux rencontres, deux univers. J'adore ça. Un peu de fleur de sel. Et c'est ça qui va nous emmener le croquant dans notre plat. Parce que, pourquoi? Parce qu'en fait, la Saint-Jacques, elle va être moelleuse, le foie gras moelleux. On aura un petit peu de croquant avec le chou de Bruxelles, oui, qu'on va faire blanchir. Et on aura le goût fort du thé fumé. Du thé fumé. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait? On le met je en cuisson couper. Hein, on le coupe d'abord. Alors, comme on a 24 minutes, alors ça, c'est petit conseil à tout le monde. Si vous voulez que ça cuise vite, coupez-le en plus petits morceaux. Ben voilà, on gagne du temps. Hein. On gagne du temps, ça, c'est sûr. Donc ici, je vais quand même goûter, voir s'il est assez infusé. Est-ce que ça vous va, chef? C'est pas mal. C'est pas mal? C'est pas mal. Bon, ça veut dire que ça peut être encore mieux, alors. Non, mais c'est parce que je vais mettre une petite pointe de sel. Une c'est petite pointe sel, de sel. Voilà. Oui, c'est du sel. Tu veux que je te taille en rondelles, le topinambour? Oui, tu peux. Hein? Allez, on y va. Impeccable. Ici, je vais prendre... Pour le passer, là, une petite passette. Velouté de topinambour, infusé dans ce thé, le Lapsang Souchong, qui est un thé fumé chinois, qui est un thé avec une saveur très marquée. Et c'est amusant d'ailleurs la façon dont on a découvert ce thé. C'est un entrepôt de thé qui a brûlé en fait. C'est en brûlant qu'on a donné ce petit goût fumé à ce thé, qu'on s'est rendu compte que de le sécher avec de l'épicéa, par exemple, ça lui apportait cette saveur marquée. Quoi. Tu vois, j'ai même appris quelque chose. Voilà, mais tu vois, c'est ça, c'est ça, c'est de l'échange. Vas-y. Et en plus, tu sais bien te servir d'un couteau, c'est agréable. Ah, c'est gentil. Vous reprenez quelque chose, c'est pour moi, chef. Méfie-toi, je coûte cher. Et voilà. Hop. Et là, je vais remettre le couvercle, d'accord? Pour pas perdre les saveurs. Je le remets à cuire. Et là, on laisse infuser, on laisse cuire une dizaine de minutes. Une dizaine là, de minutes, hein, ça suffit. Alors, on a encore un petit peu de travail, puisqu'on parlait de légumes. Le légume est important dans ta cuisine. Le légume est primordial. En voici un de saison. Hein, voilà. C'est le chou de Bruxelles. Le chou de Bruxelles. Alors, tu me disais pendant le générique de l'émission que t'es pas fan au départ de ce légume. Non, c'est pas un légume qui... En fait, ça me rappelle des mauvais souvenirs. De cantoche? Ouais, des choux de Bruxelles archi-cuits. Ah oui, qui baignent dans le jus, quoi. Et j'ai plein de gens comme ça qui me disent « Oh, le chou de Bruxelles, moi, j'ai dit, vous inquiétez pas, moi aussi, c'est pareil. » Mais comme ça... Alors, ta façon de le faire aimer, c'est de l'effeuiller, justement? C'est de l'effeuiller, en fait, et très peu le cuire. Pour garder un côté végétal et pas un côté dur du chou, quoi. Al dente, quoi. Voilà, hein? Al dente. Et du coup, on le mange pas pareil. On a ce qu'il faut en chou, peut-être, oui, là, oui, hein, Jean-Marie. On regarde le lait. En regardons si tout va bien. Ah bah, ça a l'air pas mal, ça, dis donc. Ça cuit gentiment. Alors attention à la puissance, hein, sinon ça déborde, donc faut faire attention. J'ai vu ça. Ah, t'as déjà vu ça arriver, ça arrive. J'ai déjà vu ça. Pas chez nous, mais ça peut arriver. Je les mets en cuisson, tout de suite. Tu les mets en cuisson, 30 secondes, tu les retires dans l'eau froide. Je suis sur le coup. Ben, attaque les Saint-Jacques. Tiens, alors, pour les Saint-Jacques, je vous montre. C'est pas compliqué, les Saint-Jacques. Hein. Alors, on met un petit... Hop. Je passe mon couteau, voilà, et ici... On est barbe. On est bien, tu vois, et moi j'aime bien... À la cuillère, voilà, la noix, c'est ça qu'on veut, hein. Et moi c'est ça que j'aime, voilà. Voilà, c'est uniquement la noix. C'est la noix qui m'intéresse. Et on va évidemment la passer, la rincer, tiens, on va la rincer. On va les rincer, comme ça. Hop. Parfait, le chou de Bruxelles est en cuisson al dente. Et tu vois, je passe ma cuillère entre le nerf... Le pied, voilà. Et voilà, et on la retire bien comme ça, voilà. Ça c'est vrai, parce que souvent, du coup, on demande au poissonnier de le faire, parce qu'à la maison, on a peur que ce soit mal fait, parce qu'il n'y a rien de pire que de laisser une partie de la noix dans la coquille, t'es d'accord? C'est clair. C'est tellement un produit fantastique, ça charnue, avec un petit goût de noisette qu'on adore. Voilà. Et là, on est sur de la... Je suis désolé, mais on n'a pas pu trouver de la Bretonne, on est sur de la Normande, là. J'ai vu. On ne lui fait pas, hein. J'ai vu. La différence entre la Bretonne et la Normande? Chez nous, il n'y a pas de corail. Il n'y a pas de corail. On a du corail qu'en fin de saison. Qu'en fin de saison, quand elles vont se reproduire. Donc, quand le corail arrive chez nous, on arrête de la pêcher. Là, on est bon. Voilà, là, on est bon. Vas-y, alors, moi, je retire ça. Et on va pouvoir nettoyer les Saint-Jacques. Alors, les Saint-Jacques, petit conseil, c'est ne pas les faire tremper dans l'eau.
Bien souvent, on les met dans l'eau comme ça. En fait, elles vont se regorger d'eau. Et du coup, quand vous allez les faire cuire, vous allez avoir plein de flotte dans votre... Et ça, on n'en veut pas. Eh non. Et regardez-moi ça comme c'est beau. C'est vrai que de mettre tout de suite ces choux de Bruxelles dans cette eau glacée, on fixe la couleur verte. On fixe la chlorophylle. Et voilà, ça, c'est beau, ça. Là, je vais rincer mes Saint-Jacques. Pose tes Saint-Jacques. Voilà. Je vais égoutter nos choux de Bruxelles et tu vas pouvoir faire la mise en place du foie gras qu'on va retrouver dans ce velouté de topinambour. C'est 24 minutes chrono. Jean-Marie Bodic, un chef de la nouvelle génération bretonne et de la nouvelle génération de cuisiniers français qui est avec nous pendant 24 minutes. Au menu, velouté de topinambour avec du foie gras et de la Saint-Jacques. Et dans un instant, on va attaquer le turbo. Les Saint-Jacques, comme elles sont grosses, je vais les couper, tu vois, en quatre. Ah, c'est beau, ça, dans l'épaisseur. La Saint-Jacques, en fait, on va fixer les sucs de la Saint-Jacques. C'est ce qui va faire ressortir le goût de la Saint-Jacques. Alors là, je vais même pas la cuire, en fait. Ce sera notre velouté qui va... C'est le velouté qui va la pocher instantanément, quoi. Tout à fait. Ouais. J'assaisonne. Tu peux assaisonner. Sel, poivre. Et quoi d'autre? Un peu d'huile d'olive. Et un peu d'huile d'olive, c'est beau, voilà, ça. En attendant, je vais couper mon foie gras, super. Mais t'es d'accord que rien que comme ça, en carpaccio, ça, c'est le bonheur, ça. Moi, je l'aime comme ça. Mes premières Saint-Jacques, je les mange crues, sans rien. Ouais, c'est beau, ça. Je les mange crues, sans rien, parce que c'est là que je vais voir le goût qui est là, sans artifice. Ça, on le retire, faudrait pas que ça déborde. Et alors, tu as choisi un foie gras mi-cuit qu'on achète dans le commerce, quoi. Tout à fait. On peut le faire soi-même, hein. Je vous l'ai montré déjà dans 24 minutes chrono, comment faire le foie gras. C'est pas le temps que ça prend. C'est vrai. Ah oui, ça va vite. Faut bien l'assaisonner, hein. T'es d'accord, le foie gras. Le foie gras, c'est 12 grammes de sel au kilo. Voilà, ça c'est très important. Et un beau poivre blanc. Après, on peut y mettre ce qu'on veut. Hein. L'autre jour, j'y ai mis un petit peu de cumin dedans, c'était vachement bien. Cardamome verte, ça marche bien. Café, j'aime beaucoup le café avec le foie gras. Ça fait ressortir le goût terreux de... Ouais. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, des petits copeaux de foie gras qui vont fondre avec notre velouté de topinambour. Voilà. Elle est pas belle, la vie? Ah ben, c'est plutôt sympa, ça. Et voilà. – 24 minutes chrono, cuisine de fête avec Jean-Marie Bodic, le chef breton, velouté de topinambour avec du foie gras, avec de la coquille Saint-Jacques, et puis ce cachat, ces petites graines de sarrasin que tu nous as apportées. – Ils sont bien torréfiés, là, ils sont magnifiques, t'as vu ? – C'est beau, ça. – Regarde, ça a caramélisé. – Pour apporter du croquant sur ton velouté. – Voilà, et là, tu vois, je mets un petit peu de fleur de sel, on remue un peu, regarde. – C'est bon, puis avec le sirop d'érable, on a ce petit goût. Ah, on est bien, là, hein ? Parfait. Génial, Jean-Marie. Alors maintenant, on va attaquer le plat. L'entrée, elle est pratiquement terminée. On fera l'assemblage tout à l'heure de ce velouté de topinambour. Et en plat, un beau poisson de tes côtes bretonnes. Un turbo. Un turbo qu'on va faire avec une bergamote. Ça, d'accord. Moi, j'adore ça. Ça va être la saison. En plus, on va être dans la saison de la bergamote. Donc alors, c'est compliqué à trouver parfois. Hein. Oui, on remplace par quoi? C'est ce qu'on peut prendre un citron, une clémentine. Après, c'est un agrume qu'on veut. C'est un agrume. C'est comme le turbo, vous n'êtes pas obligé de prendre un turbo. Vous pouvez faire ça avec un lieu jaune, avec un cabillaud, avec ce que vous voulez. On s'adapte. On s'adapte. On est d'accord. On va y mettre des coquillages et on va y mettre de la choucroute. La choucroute. La choucroute qu'on va mettre. Raconte-nous ça, parce que turbo choucroute, c'est étonnant. Et regardez, on n'est pas au bout de nos surprises. Alors, je prends en fait le jus. C'est la garniture du turbo, là. Voilà, c'est le jus de la... c'est du jus de betterave, en fait. Alors, vous pouvez prendre une betterave, la passer à centrifugeuse, vous aurez exactement le même jus. Maintenant, on trouve ça dans les magasins bio, il n'y a aucun problème, vous pouvez trouver des beaux jus tout faits. Alors, on met la choucroute, on ne va peut-être pas tout mettre, parce qu'il y en a beaucoup. Et là... D'où elle te vient, cette association choucroute-betterave? Au pif. Au pif? Ah, c'est rigolo, c'est osé quand même. Ça. Ouais, ouais, bah, j'ai vu ça une fois avec mon second. On en avait fait du jus de betterave. J'avais de la choucroute parce que j'aime bien en ce moment travailler ça. Et puis en parlant, il me dit, tiens, ça serait marrant de cuire de la betterave, enfin de la choucroute dans la betterave. Je lui dis, allez, banco, on y va. Mais il y a une cohérence parce que ce sont des légumes qui poussent en même temps dans la saison. Tout à fait. Et en fait, quand on suit bien les saisons, quand on fait les mélanges saisonniers, on se trompe rarement. Alors, cette garniture de choucroute et de betterave, tu la relèves avec de l'ail? Avec un peu d'ail et des zestes de... Des zestes d'orange, tu voulais, c'est ça? Voilà, tu me fais deux zestes, tu me les mets dedans. À l'économe, comme ça, à l'ancienne? À l'économe, à l'ancienne. Très bien, parfait, voilà. Regardez. Et là, on va les mettre à cuire.
Puissance maximale ou à feu moyen tu peux fort. Commencer fort. Une bonne ébullition et après tu calmes le jeu. Et après on calme le voilà. jeu. Alors. En attendant, on va cuire nos praires. Alors des praires, ce coquillage, t'en as besoin pour quoi dans cette recette? Alors j'en ai besoin pour apporter le goût iodé. Voilà, qui va relever le turbo. Qui va relever le turbo et arrondir la choucroute. Très bien. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien. Clac, clac, clac. Clac, 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 c'est clair. Voilà. C'est très, très clair. Alors, nos praires, on les met ici. Voilà, tu les mets... Tu as trouvé le vin blanc dans le réfrigérateur. Qu'est-ce Tout que tu veux fait. D'autre que le vin blanc ou tu veux autre Regarde, chose Regarde, moi j'aime bien poivrer un peu mon... Poivre. Tu vois, là-dessus. Et il me restait une gousse d'ail dans le coin. Clac, regarde. Regardez, ça c'est du costaud, vous voyez. Paf. Direct, avec la paume de la main. Ça, voilà. C'est du breton, 100%. Et là Ça fait un quart d'heure que nous sommes ensemble. C'est votre 24 minutes chrono. Spéciale idée de fête avec Jean-Marie Baudic, chef breton, velouté de topinambour. On y mettra tout à l'heure dans ce velouté le foie gras et la Saint-Jacques. Il est là-bas, le velouté. Hein. Le velouté, il est fait. On va le mixer tout à l'heure. Il n'y a plus qu'à mixer. Hein, et là, tu vas attaquer le turbo, je crois. Et là, je vais lever le turbo. Alors, vas-y, lève le turbo. Alors, le turbo, bon, bien sûr, vous pouvez aussi demander à votre poissonnier de le faire, hein, mais bon, moi, j'ai un peu l'habitude. Ben non, mais montre-nous, justement, parce que c'est vrai que le travail de découpe des poissons, voilà, avec un couteau bien aiguisé, on s'appuie sur l'arête, en fait. Et en fait, voilà, c'est l'arête qui guide le couteau et pas l'inverse. Voilà. Ça, c'est beau, c'est un joli turbo. Alors, on pourrait prendre, comme tu l'as dit, du filet de lieu, qui est moins cher, évidemment, oui, parce voilà. que ce sont des poissons nobles. Mais là, on vous donne des idées pour les fêtes. C'est pour les fêtes. Voilà, maintenant, donc amusez-vous avec des poissons comme ça, de temps en temps, si qu'on n'achète pas tous les jours. Si vous voulez le faire avec autre chose, faites-le avec autre chose, ça marchera aussi. C'est juste... Ça, c'est beau. Regardez-moi ce geste. Et ça, c'est, on ne le jette pas, on le garde pour faire un Alors, fumet, par ça, exemple. Alors ça, c'est avec ça que je fais mes fumets. Mais bien sûr. Et tu l'as apporté, ton fumet de poisson. Eh oui. Regardez d'ailleurs ce joli fumet de poisson. C'est maison. Du concentré. Ça, c'est du corsé, du concentré. Hein. C'est du concentré de goût, ça. Venez voir notre choucroute, regardez. Notre choucroute, alors, les couleurs sont magnifiques. Hein. La choucroute avec, c'est pas du vin rouge, c'est du jus de betterave. Et puis, cette petite note acidulée, justement, apportée par... L'orange, le zeste d'orange. Voilà. Ça sent très bon, hein. Sens-moi ça. C'est génial, ça. Ouais. Hein, l'Alsace et la Bretagne. L'Alsace et la Bretagne ont des choses à se dire. Eh bien, elles se le disent dans 24 minutes chrono. Tu vois, l'assaisonnement du turbo. J'assaisonne. Voilà. Ça, c'est joli, ça. Et puis, on va mettre, tu vois, encore une autre région, le piment d'Espelette. Ah, le piment d'Espelette. Voilà, alors on est dans l'arrière-pays basque. Voilà. Si vous êtes là-bas dans le coin, allez visiter le village d'Espelette avec tous ces piments qui pendent au balcon et aux fenêtres. C'est génial, ça. Je sais que vous... En fait, j'avais hésité parce que quand j'ai voulu m'installer, alors je cherchais... Moi, ce que je voulais, c'était retrouver la mer, déjà. Et je m'étais dit, si je cherchais aussi au Pays basque. Et si je m'étais installé au Pays basque, je l'aurais appelé le Bréba. Le Bréba, ça veut dire quoi? Bretagne basque. Bretagne basque, ah oui, la combinaison tête, parce que j'aime bien les produits du Pays basque et les produits de chez moi. Du coup, j'aurais rassemblé les deux. Tu aimes les associations, hein, J'aime les associations de régions. Mais oui, mais on a la chance d'avoir des régions avec de fortes identités. Donc justement, en il faut... France, mais bien sûr. En France, on est quand même... Préservons regarde. Ça en cuisine, justement. Voilà. Là, elles viennent de s'ouvrir. Elles ont gardé... Tu vois, quand elles sont bombées comme ça, c'est magnifique. Ça, c'est beau, c'est charnu, c'est bombé, c'est vivant. C'est vivant, c'est là qu'il faut les manger. Alors, un coquillage qui est cuit 3 heures à l'avance, je suis pas OK. Ah non. Tu vois, donc là, pêché, vraiment, ça. On vient de les ouvrir, elles sont magnifiques. Je vais mettre un petit peu ici, tu vois, de zeste. L'assaisonnement du turbo, regardez. Alors, faut pas non plus trop en mettre parce qu'on va tuer deux fois le turbo, là. Oui, il est déjà mort pour la pêche, pour la bonne cause. Hein. Alors, pour la bonne cause, on va essayer de le respecter. Hein, voilà. Allez. Tu vois, j'en mets pas trop parce que c'est très fort, là. Ça, c'est magnifique. Je veux pas te speeder, mais presque, il faut qu'on avance, là. Tu me donnes du beurre. Le générique arrive bientôt, donc donne-moi on va passer en cuisson. Le beurre. Une noix comme ça, plus petite, plus grosse. Tu peux y aller. Encore plus. Voilà. Ah oui, t'es vraiment breton, alors. Hein. Non, mais là, c'est poché au beurre, donc... Voilà, je vais peut-être pas tout mettre, mais... Poché au beurre, regardez-moi ça. Ce turbo. On le met là. Plat de fête, turbo poché au beurre. Vous avez vu les parfums qu'on vous propose aujourd'hui avec Jean-Marie Baudic? De la bergamote, du piment d'Espelette. On a mis des agrumes dans cette betterave, dans cette choucroute au jus de betterave. Voilà, et ça, ça va être poché à la minute aussi, cette histoire. Ça, c'est... Hein, voilà, regarde. Je mets un couvercle.
Je remue un petit peu. Le beurre n'était pas complètement fondu, mais on va y arriver. Là. Alors moi, je mixe peut-être le velouté de topinambour pendant ce temps-là, si tu veux. Là. Ah oui, il est là, pardon. Oui, si je mixe les prairies, ça ne va pas marcher. Allez, c'est parti. Velouté de topinambour, ce sera l'entrée de ce 24 minutes chrono de fête. Et là, avec tu vois, Jean-Marie Baudou. Je mets juste un tout petit peu de thym dessus en fin de cuisson. Un petit peu de thym. Un petit peu de thym en fin de cuisson. Alors là encore, c'est une autre région qu'on rencontre une autre, c'est le midi, là. Midi, et encore du thym chez moi, il y en a, tu vois. Oui, encore du thym en Bretagne, oui. Ouais. Oui, avec le réchauffement climatique, on va en trouver un moment, je pense. Ouais, on a mis de l'origan et tout cette année. Voilà, des parfums de garrigue. Voilà, le velouté. Ça te va la consistance ? Très bien. Très, très bien. Voilà. Ça va être très beau, ça. Parfait, ça va être magnifique, ça. Le turbo aussi. Voilà, un joli turbo poché à la minute. Voilà, tu vois, j'ai gardé les barbes. Là, on va mettre notre fumée. Oui, c'est vrai, tu n'as pas enlevé les côtés, ce qu'on appelle les barbes, effectivement. Pourquoi ? Parce que c'est super bon. Voilà. Pourquoi tu veux les jeter ? C'est vrai que tout le monde les jette maintenant. Hein. C'est incroyable. Oui, ouais, t'as raison. Franchement, regarde, ça, c'est magnifique. Mmh. On a vraiment... Voilà. Là-dessus... Tu vois, je garde mon jus, je mets du fumet de poisson. Comme il est très concentré, ça va prendre tout de suite. Si tu peux mettre un poil plus fort. Je bastonne complètement ? Ouais, ouais. Hein, une ébullition. Il faut que ça réduise, quoi, c'est ça. Hein. Pas réduit, il faut que ça... En fait, si c'est trop froid, ça... on n'arrivera pas à faire l'émulsion. Et donc, tu vas avoir besoin de ce mixeur. Je vais te le rincer en vitesse. 24 minutes chrono. Hop. Rinçage de notre girafe en temps réel également. Un petit... Et on y retourne. Toi, allez. Tu l'aimes pas, celui-là, hein ? Qu'est-ce que j'aime pas ? Le petit mixeur, là, hein ? Si, non, c'est... Ah non, il est très pratique. Non, non, chacun a ses préférences, voilà. Voilà. Il me dit, j'adore celui-là, il marche très bien. Regarde, vas-y, mixe ça. Ça, c'est magnifique. Une belle émulsion qui va venir par-dessus notre turbo. Alors ? C'est super bon. On peut dresser, chef ? Ouais. Allez, dressons. Le dressage, c'est l'aboutissement pour un chef cuisinier. La finalité, le bout du bout. Alors, donc, velouté de topinambour, je vous le rappelle, avec des saveurs de fête, le foie gras et la Saint-Jacques. Le foie gras et la Saint-Jacques. Regardez, les voilà. Donc, pour le dressage, c'est pas compliqué. Regarde. On met... Ça fume. Alors, mais il faut qu'il soit bien chaud. Hein. Mais rien que comme ça, déjà, c'est magnifique. Parce que je vous rappelle qu'on a une saveur inattendue à l'intérieur, qui est ce thé fumé chinois. Hein. Ce thé fumé. Et donc là, tu vois, on va mettre... Les petites lamelles de Saint-Jacques. Les petites lamelles de Saint-Jacques. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, ça. Le foie gras. Oh, dis donc, la tuerie. Et alors, on a fait des feuilles de chou, vous vous souvenez tout à l'heure, du chou de Bruxelles, hein, qui a ses adeptes et puis qui a ceux qui ne l'aiment pas du tout, qu'on appelle des anti-adeptes. Eh bien, on va en mettre également. Hein, bah, en fait, on va les faire aimer. Voilà. Voilà. Parce que... Je rappelle que toi, au départ, tu n'aimes pas le chou de Bruxelles et c'est pour ça que tu as eu cette idée. Voilà. Tu vois. Qu'est-ce que c'est beau. Alors oui, tu as mis très peu de velouté, en fait. Là aussi, on est dans l'équilibre. Oh là là, regarde. Attention à la force de... Et on n'a pas fini parce qu'on a fait du cacha, qui sont ces graines de sarrasin grillées avec du sirop d'érable. Alors ça, c'est magnifique. Vous servez ça à vos invités. C'est franchement un très, très joli plat de fête. Regardez comme c'est beau. Je pense qu'il y a pire. Ah, il y a franchement... Non, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Merci, Jean-Marie Baudic. Je t'en prie. Et c'est pas fini. On va attaquer le turbo, alors. Le turbo. Donc, on va prendre une assiette blanche parce qu'en fait, comme on a de la couleur, comme on a... Eh ben... Tu vois, je vais sortir. Ah oui, nos prères. Nos prères. Qu'est-ce que c'est beau, tout ça. C'est une cuisine de couleurs. T'es très attaché aux couleurs. Hein. J'aime la couleur. T'aimes la couleur. Alors tiens, on parle de couleurs. Je vais vous parler d'un coup de cœur que j'ai eu d'un livre qui s'appelle « Retour de marché » de Jean-Marie Baudic aux éditions de La Martinière. Et on retrouve vraiment l'univers de cet homme-là qui nous a fait le plaisir de cuisiner en 24 minutes chrono pour vous sur Cuisine TV. C'est une cuisine autour des produits de saison, autour des produits du marché, parce que ça, c'est vraiment important pour toi. Hein. Respecter la nature, les saisons, et je pense qu'en mélangeant les produits de saison, on se loupe rarement. Et on parlait de Pierre Gagnaire, il y a d'autres livres justement que tu aimes beaucoup, comme celui de Pierre Gagnaire, le dernier. Le dernier de Pierre Gagnaire, et il y a un très joli livre qui vient de sortir. De Patrick Geffroy. Patrick Geffroy, ah, oui. qui est vraiment extraordinaire. Patrick Geffroy, chef breton. Un hommage à la Bretagne, aux produits, à ce qu'il est, à ce qu'il fait. Et c'est vraiment un très très joli bouquin.
Regardez-moi ce dressage. C'est pour ça que j'aime recevoir des chefs dans 24 minutes chrono, parce que regardez cette minutie et cet équilibre des saveurs et des textures. Hein. On a ce turbo qui était poché à la minute, vous l'avez vu dans du beurre. On a cette choucroute au jus de betterave avec des zestes d'agrumes, une pointe de cresson et cette émulsion avec le fumet de poisson. Voilà, tout simplement. Non, mais franchement, regardez comme c'est joli. Deux recettes de fête que vous retrouverez sur notre site www.cuisine.tv. Jean-Marie, c'était un plaisir de te rencontrer derrière les fourneaux de 24 minutes chrono. Merci. Hein, tu veux ajouter quelque chose? Non, j'étais content de faire ça avec toi. J'ai trouvé que c'était un beau binôme. Eh bien, écoute, c'était un plaisir de cuisiner à quatre mains avec toi, d'être ton assistant aujourd'hui. Et vous le savez, on finit toujours avec une photo. Jean-Marie Baudic, t'es ici chez toi, tu reviens quand tu veux. D'accord. La cuisine bretonne, vous la retrouverez sur notre site www.cuisine.tv. Une cuisine bretonne de fête et qui a de l'allure, je vous le dis. Merci Jean-Marie. Je t'en prie. À bientôt. Allez, souris. Salut tout le monde, cheese.